Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Carla, de Kevin et de Magali Berda. Vous devez certainement tous les connaître, Carla et Kevin ce sont deux candidats emblématiques des Marseillais et Magali c'est la patronne de l'agence Shona Events. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Carla et Kevin ont affirmé qu'ils allaient quitter l'agence de Magali pour aller dans celle de Wesley. Dans cette vidéo, les deux amoureux semblent être très heureux malgré les nombreuses critiques qu'ils reçoivent à longueur de journée. En effet, la jolie blonde et le joli brun semblent faire abstraction de toutes les critiques qu'ils reçoivent sur les réseaux sociaux comme celle de Nabil El Moudni ou encore celle de Marc Blatta. Je vous laisse sans plus attendre avec tous les snaps de Carla, de Kevin et de Magali et si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à la soutenir. Vas-y, on parie. Vas-y. Hop. Vas-y, ouais. Hop. Ouais. Hop. Ouais. Allez, donne-moi les sous. Vas-y. À quelle heure 9h02. Ah, bah, tu vois, tu avais raison. Tu vois, je t'ai fait gagner 10 minutes. Ah, il m'a dit, je m'ennuie, c'est long. Ah, déjà, tu as gagné 2 minutes. Tu veux que je te refais gagner 2 minutes encore? Bien arrivé sur Paris. Voilà. Ah, faut fermer les écoles, ça ne peut rien. Pourquoi? Catastrophique, frérot. Pourquoi? Ah, le rendement, il n'est pas bon. Non? Ça y est, le bac, c'est fini. Ouais. Mais pourquoi tu le brevet, c'est fini. D'un coup, je crois qu'il y a avoir l'option Covid au bac. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a dit là. Ah, c'est quelqu'un qui l'a dit alors. En plus, c'est école privée, les bourses et tout, c'est compliqué. Le cinquième. Mousquetaire. La 5G. Girado. Guicelli. Je sais plus. Gage. Gonzalez. Et Gage, c'est la 5G. On capte la 5G. Un Marseillais à Paris. J'ai mis deux jogging, les frères. Un Marseillais. On n'a pas joué encore les filles, on perd une grosse prépa. Mais c'est hier son anniversaire et Carla, c'est minuit pétante. À minuit pétante, on a quelque chose de fou. Carla, elle a aussi une petite surprise. Oui. Ça, on ne sait pas. Préparation d'anniversaire. J'enlève tout. Alors, je vous explique. Tout enlevé. Ouais, c'était disponible à partir de 20h, 20h30. Ça prépare. On est en préparation. C'est chaud. Attends. Il y a du rose, il y a des couleurs un peu partout. Il y a des ballons, il y a des serpentins, il y a des guirlandes, encore dans un esprit. Ouais, je vous montrerai les détails. Je suis vraiment dans le détail. Oui. On va vous donner trois détails. Je vous montre quoi? Tu montres comment? Tu montres ça. Ça. Oui. Oui. Les pieds de qui? Les pieds de qui? Tu sais, les pieds de qui? Elles vont bientôt arriver. Nous on est prêts. Ouais. On est en tenue. Tenue. Ouais. On leur a fait vraiment une soirée de fou. Grâce à vous, vous avez vu quoi. Lui, il est content sur Instagram, il pète. Ouais. Il a pété. Et il a pété du coup. Ce soir, ça va être la pète. Soir, je pense qu'elles vont être contentes. Barberose. Et Carla, je suis pas sûr tout ce soir. Regardez les deux. Vous êtes énormes toutes les deux. Non mais énorme par contre, excusez-moi, c'était dans le... Enfin, c'est énorme comme moi je dis, c'est énorme ça. Enfin, c'est pas, vous êtes... T'as compris quoi? Non mais je parlais pas du poids. Je parlais de la dimension spirituelle. Non mais sur ma vie que j'ai pas voulu... Mais non, mais c'est énorme, ça veut dire oh là là, regarde, c'est énorme ce qui se passe. Tu vois, c'est ça en fait. Tu comprends ou pas? Vous comprenez?
te comprends. Moi, jusqu'à ma mort, je pense. Les amis, je vous ai annoncé il y a quelques jours que j'allais suivre tous les candidats à la présidentielle en immersion pendant une journée. Je vous poste immédiatement le teaser pour vous faire découvrir qui est le premier candidat que j'ai suivi. Donner quelques petits points au niveau de Venise, parce que vous étiez nombreux à me dire voilà, s'il y avait eu des restrictions, comment ça se passait au niveau des vols. Donc il n'y a pas de direct Marseille-Venise, donc nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait Paris-Venise qui a 1h30 de vol. Et quand on arrive sur Venise, donc soit vous y allez en voiture et après vous prenez le bateau, soit il y a des bateaux directement dans l'aéroport. J'arrive pas à le dire ce mot. Donc pour par rapport au Covid, il faut avoir un test antigénique et le vaccin. Donc ça, c'est ce qu'ils nous ont demandé à l'aller. Ils nous avaient regardé les deux. Et ensuite, il faut remplir un formulaire avec, je crois, toutes vos informations, etc. Une fois qu'on est arrivé là-bas, ça s'est très bien passé, même dans l'hôtel et tout, ils étaient très sympas. Il y a le masque, on doit porter le masque dehors, obligatoire. Mais sinon, franchement, c'était très bien. L'hôtel où on a été, ça s'appelle le Danieli, l'hôtel Danieli qui est le plus connu de Venise. C'est l'endroit où il faut voir et se rendre parce qu'il a de 350 ans et franchement c'est un monument mais magnifique, genre il est trop beau, donc allez-y vraiment les yeux fermés. Alors il a vraiment une déco particulière, une ambiance particulière, mais franchement c'est très très beau, très Venise. Et après il y a beaucoup de restos à visiter, à faire. Franchement il y en a des, ils sont tous bons. Bon, moi en Italie en l'occurrence je mange toujours très bien, donc vous m'entendrez jamais dire qu'en Italie on mange pas bien, parce que franchement tous les restaurants que je fais à chaque fois ils sont super bons. Et pour repartir pareil, il fallait notre test ou vaccin. Ils nous ont pas demandé les deux, ils nous ont demandé le test ou le vaccin. Voilà. Bon, je vais aller me laver les cheveux parce que je crois que j'en ai bien besoin. Voilà, ça fait pas mal de temps que je les ai pas lavés. Je vais me faire un bon shampoing et je vais vous parler d'un produit aussi après m'être séché les cheveux. Un produit que j'ai découvert, il est ouf. Il faut que je vous en parle. Voilà, il faut que je vous en parle, obligé. Check. Bravo. Ouais, Bibi. On va manger la pizza. Qu'est-ce que tu vas manger, Bibi? La pizza. Oui, mon cœur, la pizza. Et est-ce que tu veux mettre quoi dans ta pizza? Montre-moi ce que tu mets dans ta pizza. Allez, montre-moi. Pas de bébé. Un bébé dans la pizza? Qu'est-ce qu'on fait ce soir? On regarde Astérix Mission Cléopâtre. Non, c'est moi fait. Je veux mon film. Non, on mettra pas Mais Coco. Mais moi, je veux car mon film. Là, on mettra pas Coco, ça y est. Mais ça va. On l'aura vu 10 millions une fois. Tu mets la pizza? Oui. Pizza? Oui, pizza. T'as pas 5 millions? Tu mettras pas 5. Je viens à peine de snapper parce que j'ai fait les courses. Je vous explique, j'ai pris toutes les courses au monde. Je pense que là, je suis parée pour au moins 2 mois. Je suis dans un état de fatigue colossale. Hier, je n'ai pas dormi de la nuit. On a finalisé toutes les tables pour le plan du mariage. C'était une tannée. Genre, au début, je me suis dit, mais oui, les personnes qui racontent ça, pas du tout. Genre, c'est trop facile et tout. Mais pas du tout. Surtout qu'en plus, moi, j'ai fait des tables, je vous montrerai, bon, bien sûr, le jour J, mais j'ai fait des tables sur mesure. Et du coup, l'emplacement est un peu différent. Donc c'était une tannée de placer tout le monde. Mais je crois qu'on est arrivé. Bon, en tout cas, c'est parti en impression, donc on ne pourra plus revenir dessus. Et puis, j'espère que, du coup, ça se passera très bien. Les amis, je vais partir du coup faire mes derniers petits achats que j'ai besoin. Il fait un soleil de fou, je vous jure. Je suis sur ma terrasse depuis tout à l'heure et genre c'est le kiff. Il fait trop trop beau. Les amis, je vais partir du coup faire mes derniers petits...
Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.